Et bienvenue tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de Systemcraft, les amis. Voilà, on se retrouve donc pour un nouveau petit épisode justement sur la série Systemcraft. Donc, alors comme vous voyez, le village a bien avancé, mais ça c'est parce que l'on est en live un peu 2 à 3 fois par semaine justement sur Systemcraft. Donc effectivement, vous allez voir, il y a du Create comme vous voyez avec le moulin, il y aura du Computer Craft comme vous voyez avec l'heure en bas, il y aura plein de choses à venir. Mais en attendant, vous allez voir les débuts de ce magnifique village parce que on est sur l'épisode 3. C'est parti, allons-y, let's go! De trop mal marcher ouais, ça ce petit tient mal serveur. oui. Et les lags et tout, ça va, c'est Il y en a Ouais, certains ça de va. temps en temps quand il y a un peu de, tu vois, parce que là je fais en accéléré, je récupère Non, de la mais terre en accéléré, ça c'est juste mais c'est parce que t'as classe. un PC de merde, c'est tout, t'inquiète. Ouais, allez, Ouf, combien Ça la fait grosse longtemps, crise. je suis content, je suis refait. Allez, on va pouvoir s'amuser. Oh putain, ça y est, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas grand-chose, parce qu'au final, ben, j'ai juste commencé à construire les fondations de la maison, maison qu'on va essayer de finir ensemble ce soir. Et surtout, j'ai construit la trieuse automatique avec le four automatique. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait pendant qu'on était hors live, qu'on testait les serveurs et tout à chaque fois. J'ai pas énormément avancé, j'ai passé plus de temps à résoudre les problèmes. Voilà, on a une trieuse automatique, on met tout dans le four, ça se trie automatiquement, c'est génial. Et surtout, un cuiseur automatique. On va prendre du sapin normal, on va dire. Ah, j'aimerais prendre un bloc-in et faire un bloc-in automate fermé. Putain, mais t'as fait un petit agrandissement, non, de... Ouais, mais j'ai pas fini. Ouais, je vois En fait, ça. tu vois là où il y a les pierres? Mais en fait, c'est Ouais. les bords de la maison. Ok, d'accord, nickel. Bon, après, il faudra combler en dessous un jour. Oui, non, mais Oui. justement, Oh. là déjà, je suis en train de combler le dessus, tu vois. Ah oui, quoi, tu vas dire, tu vas peut-être faire un étage en dessous, non? Je sais pas. Bah, je sais pas, ouais, je pense que je vais faire des fermes, tu sais, des trucs comme ça, des trucs de chien ou autre, tu Ouais, vois. super propre. Et bon, Kush, toujours avec sa maison dégueulasse verte. Ouais, totalement. Si, Qu'est-ce je crois que avec tout ce ma qu'il a fait dans maison? sa maison, c'est juste une cheminée. Il a mis des murs verts, il a fait une cheminée. Regardez, je vous montrerai quand même. Ah. Voilà, dégueulasse. C'est vert pomme, là. Monte dessus, tu vas voir. Je sais même pas si c'est une maison ou une plantation de weed, en fait, qu'il a fait. Des eaux noires de meubles. Des Ah, eaux des noires? eaux de squelette. Oh, je sais. Mais t'as un mode en fait qui rajoute des os de squelette. Alors, la gameuse, la bûcheronne. Voilà. Comme ça, on ne t'oubliera pas. Regarde, la gameuse, le bûcheron, Kush, comme ça, tu ne te sentiras pas dépaysé. Et forcément, vous avez compris, ça va être une bûcheron. Ok, nickel, là j'ai plus qu'à ramener l'autre du moule. Hein. Tu fais toujours des grandes baraques, toi. Bon, ça va, là j'ai une base de 31 par 31. Thank you.
Et nous, voilà, elle commence à avoir la belle petite tête à force, hein, petite baraque et tout, bien mignonne. Regardez, ah ouais, regardez là, regardez quand c'est propre là. C'est nickel chrome, au top. Non, non, c'est plutôt propre là. Ah ouais, ça me fait une belle maison de stream, c'est nickel. Je vais aller fermer ma maison parce que, hop, tu vois, sinon il y a des caches sauvages qui arrivent.